Hey, salut à tous, c'est Tania. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Let's Play sur Eden Eternal. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ah, il y a mon chat derrière. J'arrive pas à l'enlever de ma chambre. J'ai pas le droit de fermer la porte. On va continuer nos quêtes. Et pendant ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi l'épisode est en retard. Donc, on va aller faire cette quête-là, cette série de quêtes-ci, à Aven. Donc pourquoi l'épisode est en retard? En gros, en fin de semaine, vendredi, j'étais supposée tourner l'épisode vendredi matin avec une abonnée, mais elle m'avait pas répondu, puis elle m'a répondu quand j'étais supposée partir parce que j'allais. Je partais à Rimouski. C'est loin, quand même. C'est à 3 heures environ de route de Québec où j'habite. Et là, donc elle m'a pas répondu avant que je parte, donc j'ai pas pu le tourner avec elle. D'ailleurs, si tu regardes cet épisode, on va peut-être tourner le prochain. Ben, un des prochains épisodes, ça serait fun de tourner ensemble. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais ici, puis on va continuer ensemble. Je vais continuer à l'expliquer ensuite. Donc là, j'ai parlé à Félix, mais il faut aussi que je récupère deux branches sèches. Donc ce que je fais, c'est que je clique droit dessus, mission agricole. Je clique droit sur culture secrète élémentaire. Commander. Donc ça, c'est juste une quête pour nous apprendre comment utiliser craft. Ouais, c'est un peu le même. Mais avec ça, on peut construire, on peut crafter, ouais. Vraiment pas mal de trucs. On peut faire des potions, comme je suis en train de crafter là. On peut crafter des... je crois qu'on peut crafter des enchantements, mais je suis pas certaine. Ouais, je crois que oui. On peut crafter des bijoux, je crois. Ici, c'est toutes les plans. Donc, il y a les robes de protection. Vous voyez, ils sont là. C'est assez cher pour moi en ce moment, mais c'est pas très cher pour quand on est plus haut level. Armure légère et armure lourde. Et ici, vous avez toutes les armes. Donc, arme blanche. C'est, si je me trompe pas, ouais, c'est toutes les ce qui est lame. Ici, vous avez arme contendante. Donc, c'est les boucliers, les bâtons, ben, tout ce qui est magique, en fait. Et les projectiles, c'est les arcs et les fusils. Donc c'est pas mal ça. Ça, c'est pour les crafter des objets oranges. Donc c'est assez fort. Mettons, moi j'en ai un peu ici. Mettons, ça c'est des armes oranges. On peut les mettre dans nos archives. Et une particularité que ça a, c'est que ça peut pas se casser. Il n'y a pas de durabilité. Comme ici, vous voyez, il y a durabilité 90 sur 90. Mais lui, il n'a pas de durabilité, c'est parce qu'il peut pas se briser. C'est quand même plus fort que des armes normales du même niveau. Et ça a des petits ajouts. Mettons là, ça diminue le coût en PM, en point de magie de 9. Là, ça dégage des feux plus 13 à chaque attaque. Donc ça rajoute des petits trucs. Hop, c'est sympa. Dans les montures, c'est pas les montures que je vais vous montrer. Mais on va voir, est-ce que j'ai des armures que je peux vous montrer? Non, j'ai pas crafté d'armure encore. Bon, en fait, j'en ai crafté, mais... Ouais. Mais ça, c'en est un. Je crois pas qu'on peut le crafter, par contre. Je suis pas certaine, mais ça, je l'ai eu dans un kit. Donc, ouais. Je montrerai plus tard les kits. Alors, on va continuer la quête tout de suite, parce que... Ouais, il va falloir attendre de toute manière. Donc, je vais faire ça avec tous les artisans. Pendant ce temps, je vais vous expliquer, je vais continuer mon explication, je sais pas trop, j'étais rendu où. J'étais rendu où, bah, je fallait que j'aille à Rimouski parce qu'il fallait que j'y aille, hein. Et, je comptais tourner l'épisode de pas samedi, vu qu'on allait faire du ski toute la journée. Je comptais le tourner dimanche en rentrant ici. Parce qu'on était censé rentrer peut-être dans la soirée, mais avant souper, mettons, peut-être vers 4h, 5h de l'après-midi. Finalement, même avant, on était rentré, ouais, à peu près vers 4h. On est rentré à 8h30 ici. On a mangé à 9h environ, donc j'ai pas le temps de tourner l'épisode. Je savais que ça allait que l'épisode allait être en retard. Mais je pensais pas j'allais être aussi pressée à le tourner.
que je croyais que j'allais pouvoir le tourner dimanche, puis le tour, le faire le montage dimanche aussi, puis le préparer lundi, puis le mettre lundi soir. Mais là, je le tourne, on est lundi matin. Hein. Donc, ouais. J'avais oublié de mettre mon familier, c'est pour ça. Donc c'est ça, je pensais pas que ça allait être aussi serré dans le temps. Parce que quand on est parti de Rimouski à... Ben c'est à 3 h, je l'ai déjà dit, mais juste pour rappeler, c'est à 3 h de Québec. Environ, mais avec les haltes, on va dire 4 h. On est parti de Rimouski à 1 h 30 de l'après-midi. Mais au bout d'une demi-heure, il y avait une tempête, là. Il y avait vraiment une grosse tempête de neige dans le dans, sur la route. Mais pas sur, juste sur la route, mais ouais, on voyait presque rien. Même on voyait rien par bout. Hein. Donc il y avait beaucoup de trafic. À un moment donné, on s'est fait arrêter, pas fait arrêter, mais on a dû arrêter dans une aréna parce qu'il y avait eu un accident à la sortie d'un village, donc on pouvait pas passer à côté de cette route-là, c'était comme une route assez importante, donc on pouvait pas contourner l'accident. Donc on a dû arrêter le temps qui déplace, mais qui, ah, je sais pas comment dire, qui enlève les voitures, on va dire. Qui prennent tout. Il y a eu 2 morts, je sais, pour ceux qui veulent savoir. Ou 2 ou 3. Ben, il y a eu plusieurs morts, je sais pas combien, mais j'ai entendu 2, mais je suis pas certaine. Donc là, ça a pris environ, je sais pas trop combien de temps, peut-être 1 heure ou 2, avant que la route soit. On puisse passer sur la route. Sauf que là, les conditions n'étaient pas vraiment favorables pour partir. Donc là, les autorités ont fermé toutes les routes. De Rimouski à Québec, ben de, ouais. Même un peu plus loin que Rimouski, même, et un peu plus loin que Québec aussi. Donc, ils ont fermé toutes les routes, donc on ne pouvait plus partir. Et on est parti de l'aréna à 5 h environ. Donc, on est resté assez longtemps coincé là-bas. Il y avait du Wi-Fi, avait du Wi-Fi, heureusement. Ouais. Mais j'aurais pas pu tourner l'épisode de toute manière, il y avait vraiment trop de bruit là-bas, c'était plein, hein, l'aréna. Donc c'est pour ça que l'épisode est en retard, parce que je suis allée à Rimouski, enfin tout ça. J'espère que vous n'allez pas être en colère comme moi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Donc vous avez vu, dans tout ce que j'ai fait, j'ai juste fait recevoir après avoir cliqué ici, c'est que la commande était prête. Il faut attendre 5 minutes, je crois, pour recevoir ce qu'on a commandé. Ouais, faut attendre environ 5 minutes. Donc, ouais. Il reste combien de temps? 36 secondes. Est-ce que j'ai le temps? Pardon. Ouais, Shura, je vais vous expliquer un peu. Vous avez dû voir ma vidéo d'annonce, puis en fait, dans tout, pas mal, beaucoup de vidéos, j'en ai parlé, hein. Le nouveau jeu qui s'en vient, sur lequel je vais faire des let's play ou d'autres choses, hein, je sais pas encore. Je vais vous en parler tout de suite après avoir fait notre quête. Parce que j'ai décidé de faire le jeu, de faire des épisodes sur ce jeu-là en fin de compte. Donc, on va confirmer notre quête. Accepter. Et là, bon, on va retourner à la quête, au craft. Quand vous avez tout le matériel que vous avez besoin, donc veillez plein d'outils, à outils d'alchimie, ingrédients. Vous avez ingrédients, cuivre brut 10. Il est où mon cuivre? Ah, je l'avais, mais il l'a tout mis dans une boîte après avoir confirmé la quête. Enfin. Bon, c'est dans la boîte. Branche sèche 10, là-dedans. Et. Énergie perdue x5. Donc, ouais, c'est tout dans la boîte. Quand vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le craft, donc ça va être vraiment comme ça pour les autres crafts. Hein. Vous allez voir Cole ici.
Moi, je veux que je parle, mais... Et vous faites mission artisanat. Vous faites clic droit sur le plan. Ou vous pouvez faire aussi juste clic gauche. Moi, je préfère faire clic droit, c'est plus rapide. Et vous faites commander. Donc là, c'est certain que ça va réussir. Il y a 100% de chances que ça réussisse. Mais il y a des fois qu'il va avoir un peu moins de pourcentage. Puis plus le level de ce que vous voulez crafter haut, plus les chances sont faibles de réussir. Je crois qu'il y a quelque chose qui permet d'augmenter nos chances de réussir, mais je suis pas certaine, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Je voulais passer à la banque aussi. On va terminer notre case aussi bientôt. Donc, ouais. Donc j'ai un éclat de météore du vent. Les fragments de cartes, je garde pas. Je garde jamais, ça prend. Ben, je garde de temps en temps quand ça me tente de faire la carte, mais souvent je suis trop haut level pour la carte, donc ça sert à rien. Voilà. Je vais mettre ça là. Et voilà, ça c'est 25, je suis 23. D'accord. Il y a des petits bugs de génération des fois. Ici, il est censé avoir une maison là. Ok, il est pas là encore. C'est pas grave. On va aller à... On a fini nos quêtes de... Apparemment, oui. Ok, on a fini nos quêtes de... Ben, je vais vérifier. De la Bébéluga. C'est pas la Bébéluga, c'est l'autre d'après ça. De la forêt arc-en-ciel, pardon. Titre très général, le serviable. Eh oui. Donc on va aller à à Forêt Arc-en-Ciel. Et on va se rendre à au Mont Aride pour continuer nos quêtes. Pour l'instant-là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, mais je sais pas. Il n'y a rien encore de décidé, hein, mais c'est pas mal certain que je vais faire des épisodes. Des séries sur le jeu que je vous parlais. Vous savez pas encore c'est quoi, mais c'est pas grave. Donc, le jeu, je vais pas vous le dire tout de suite. Ouais, je sais pas encore. Je vais peut-être vous le dire à la fin de l'épisode, mais bon. Donc, oui, il faut que je vous le dise de toute manière si je veux vous en parler. Donc, le jeu, c'est. Je sais pas si vous connaissez, mais sûrement, c'est assez connu. C'est Minecraft. C'est pas un jeu de quête. Ben on peut avoir des quêtes hein, si on installe les mods, enfin des trucs comme ça. Ouais, c'est un jeu. Bon, ceux qui ne connaissent pas, vous allez juste à chercher sur internet, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais ouais, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut dedans. Puis, contrairement à. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont commencé à jouer, ils trouvaient ça vraiment pas beau parce que c'est plein de cubes, de pixels, enfin, c'est pas. C'est pas aussi joli que Doom Eternal, pour l'exemple. Ouais, c'est un jeu qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent là, en ce moment. Que je connais qui ont été repoussés en premier par l'aspect de Minecraft. Puis finalement, ils jouent encore. Mais moi, ça m'a pas repoussé au début. C'est au contraire. Je trouvais ça cool. Est-ce qu'on peut faire vraiment n'importe quoi? On peut faire de la construction. On peut faire du PVP, du PVE. De l'aventure, on peut aller sur des serveurs, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Déjà en solo, c'est assez. Bon, en solo, j'aime mieux les serveurs que le solo. Ça dépend des goûts. C'est sûr que je vais faire des aventures en solo, mais je vais en faire aussi en serveur. Enfin. Donc ici on a potion de d'énergie ou de mana. Je vais prendre mana. Donc là il nous donne tous les ingrédients qu'il nous faut pour. Oh, on est déjà rendu à Beluga, nous autres. Ok. Il nous donne tous les ingrédients qu'il faut pour faire les potions de mana. Alors on va parler à Evan. Evans. C'est mal. Et j'ai déjà commencé à tourner un épisode de Minecraft.
Mais ça va être un peu plus long parce que bah, moi je suis pas très bonne en PvP ni en PvE. Je me débrouille en PvE, mais en PvP je suis affreusement nulle. Hein. Ça se peut que je fasse des épisodes quand même de PvP, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère la construction. Donc moi c'est des épisodes de construction que je vais faire surtout, de découverte de mode un peu aussi. En fait j'ai déjà une idée de mode en tête. Ça va pas vraiment être une découverte puisque j'ai déjà joué avec. Mais... Ouais, ça peut être sympa. Je vais en parler si je fais vraiment cette série-là. Parce que je sais pas, parce que c'est un mode qui est pas mis à jour. C'est plus mis à jour comme mode, ça. C'est... Ouais, c'est assez difficile à faire. Ben, c'est pas difficile à faire, mais il faudrait que je fasse... Ouais, il y aura pas de chevaux. Il y aurait pas de chevaux si je faisais ça, mais c'est pas si grave, hein. Alors, on est en train de battre des pumas aux crocs acérés. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que y a quelque chose qui me touche, mais pas qui me touche, mais qui me fait tout bizarre en fait. Parce que depuis que je faisais des épisodes sur Eden Eternal, presque chaque fois que je me connecte, il y a quelqu'un qui me dit bonjour. Ça me fait bizarre parce que. Bon, à part quand je suis dans une guilde puis qu'il y a des gens qui me disent bonjour à chaque fois que je me connecte, mais je veux dire des gens que je connais pas forcément, mais ils me disent bonjour parce qu'ils me connaissent puis ils sont gentils. C'est gentil. J'aime ça. Ouais. Oui. Puis vraiment, ce qui. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent, mais c'est vraiment vrai. Je les. Faut vraiment l'expérimenter, on peut dire, pour le savoir. Pour le comprendre plutôt. Mais quand on est youtubeur, c'est vraiment les commentaires qui nous donnent envie de continuer. Les j'aime, les. Ouais. Le nombre de vues, ça compte. Ben, c'est fun quand on a beaucoup de vues, mais ça compte pas vraiment parce qu'on peut avoir beaucoup de vues sans avoir de gens qui aiment. Mais les j'aime, les commentaires, c'est vraiment important pour moi parce que je sais ce que vous pensez de mes vidéos, puis je sais que vous aimez ça. Quand vous m'écrivez que c'est bien ou des trucs comme ça. Donc ça me fait vraiment plaisir même de juste un commentaire sur une vidéo. Ça, juste ça me donne envie de continuer mes vidéos juste pour vous. Pour vous, mais aussi un peu pour moi, parce que j'aime bien faire mes vidéos. Mais si j'avais pas eu ces commentaires-là, sûrement que j'aurais arrêté YouTube. Je l'avoue. J'aurais sûrement arrêté depuis longtemps. Puis des fois aussi que j'ai pensé arrêter parce que c'est dur, c'est long de tourner. Ben, les épisodes à tourner, c'est le fun. Mais c'est long de faire le montage et tout. Donc ouais, c'est assez dur de faire le montage parce que j'apprends encore. Je suis encore en plein apprentissage de comment utiliser les logiciels de montage. C'est surtout le son qui me pose problème, mais peur aussi que c'est assez facile à faire des coupures, mais ouais, je sais, j'ai beaucoup de choses à améliorer, mais ça me dérange pas. Je me dis que si j'ai des trucs à améliorer, je vais pouvoir me j'ai des choses à faire, hein. J'ai des choses à pratiquer, donc c'est pas direct, je suis pas direct bonne en partant, hein, pour même pour dans mes vidéos je parle pas tout le temps, donc c'est assez dur à remplir les blancs. Et ici, ce que vous voyez, c'est le premier cristal qu'on a, je crois. Ici, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Donc, c'est le premier cristal qu'on va. Quand ils détruisent. Avant, quand ils détruisaient le cristal, tous les PNJ s'en allaient. Mais là, c'est plus le cas. Donc, c'est pas si grave. Sauf que quand on passe à côté, ils nous attaquent. Donc, ouais. Je vais essayer de les attaquer. Ils sont assez forts. Quand ils attaquent le cristal, ils s'en fichent totalement des autres. Mais c'est quand le cristal est devenu rouge que. Ça les dérange un peu moins que des gens nous les attaquent. Donc là, on va essayer de le battre. Lui, bon, lui, il est assez simple à battre. Bon, c'est pas grave. Mais quand vous voyez qu'il fait cette invocation-là que vous avez vue, arrêtez de l'attaquer. Puis mettez votre famille en mode pas attaque. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer, il va regagner de la vie. Bon, avant, il était pas mal plus dur à battre les boss comme ça. Mais là, ils sont assez rapides. Et quand vous le battez, vous allez recevoir un coffre comme ça dans vos messages et
Des fois, un coffre comme ça, ben, ça c'est tout le temps quand vous êtes seul. Puis quand vous êtes à plusieurs en train de battre, c'est un des gens qui vont le recevoir. Quand vous êtes à plusieurs, c'est une personne sur toutes les gens qui vont recevoir ça, mais tous les gens vont recevoir ça. Donc on va commencer par ouvrir ça. Ça dépend, des fois vous allez recevoir des choses sur le fun, des fois non. Oh, là on a reçu un parchemin de garde niveau 40. Et quand vous aurez ça, vous recevez des cristaux de jade rare. Ça, c'est en fonction de la région où vous êtes. Ça, quand vous en avez 10, vous les changez au maire. Et ça va vous donner un buff pour 1 heure, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, j'avais pas vu, ça va déjà être la fin de l'épisode. Je me souviens déjà plus ça fait combien de temps. Je viens juste de regarder, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut que je pense à. Voilà. Je viens informer ces 4 heures, puis pendant ce temps-là, je vais vous dire un peu moi. Bon, au revoir. Ouais, ça va être la fin de l'épisode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à venir non plus. N'hésitez pas non plus à venir sur Twitter. Je suis sur Twitter. Ouais, donc c'était Tania. À la prochaine.